Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là c'est une vidéo spéciale pour la Guinée, les Guinéens, les Guinéennes qui vont nous regarder sur cette vidéo. On avait fait la Guinée, notre paradis, c'était l'acte 1, donc forcément celui-là c'est l'acte 2, l'autre c'était l'acte 1. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours depuis, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, c'était assez ouf. Et j'ai entendu, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, il y a la deuxième partie qui est sortie. Et je me suis dit, il faut absolument que je regarde ça. C'était écrit juste la Guinée, notre paradis. Il n'y avait pas écrit acte 1. Donc je pense même pas que c'était sûr d'avoir un acte 2. Mais en tout cas, il y a un acte 2, hymne de la Renaissance. On va regarder ça. Nous vous présentons la Guinée, notre paradis, acte 2, hymne de la Renaissance. Une ode à la Guinée inspirée par l'histoire et la résilience de notre nation, la Guinée, ainsi que la vision Simandou 2040. Ce nouveau projet célèbre notre indépendance tout en mettant en lumière la beauté et la richesse de notre pays. Que cette mélodie soit un rappel constant de la grandeur et de l'unité de notre cher pays. Célébrons ensemble la Guinée. Okay. Ouais, il y a du monde dessus, hein. Il y a du monde dessus. Enfin, je sais pas si c'est. Ouais, si. Ah, déjà, je connais. Ce que je connais le plus, ça va être AK-47, Third. Et Junior Barré, j'ai déjà entendu, je crois. Waouh, il y a du monde. Hein. Che, homme de beat, c'est une dinguerie. Beat Mix Master. Il est partout, Steven Awuko, encore à la Real. On prend la même équipe et on recommence tout simplement. Donc, allons voir sa sortie le 2 octobre. Il y a 6 jours de ça. Allons voir ce que propose cet acte 2. Forcément, le visuel il va être attendu. Le son il va être attendu. Il a déjà fait plus d'un million, c'est ça? Il arrive pratiquement aux 2 millions. C'est une dinguerie. Oh oui. La mélo est bonne, le son est bon. Je te jure, en fait, c'est tellement beau de voir autant d'artistes qui se rassemblent pour une même cause. Même nation comme ça, c'est lourd. Ah, des belles paroles. Lourd, le visuel est lourd. Franchement, j'aime beaucoup cette Oh là là, franchement, hey. Encore une tuerie, encore une folie. C'est la Guinée All Star. Franchement, c'est des vidéos comme ça qu'il faut pour représenter les pays, pour donner un peu de lumière, tu vois. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est une très bonne idée d'aller être parti, aller faire le deuxième acte. C'est bien, franchement, c'est lourd. Ils ont mis l'accent aussi pas mal sur le visuel aussi artistique aussi. Sur les artistes et tout. Mais faire un bon truc et tout. Il y a un peu moins de paysage. Mais on est plus un peu sur les artistes. Mais le visuel est vraiment qualitatif. Hein. La qualité de l'image, elle est incroyable. J'aime beaucoup. C'est pas évident hein, quand tu fais un acte 1 d'aller de se mettre la pression pour faire encore plus fort sur l'acte 2. Je trouve qu'ils l'ont bien fait. Hein. Ça change, c'est frais. Ah, il y a une équipe là, il y a une équipe. Ah là là, les voix. Elle a une voix spéciale. Elle aussi. C'est vrai qu'on les entend pas beaucoup les dons, ils ont juste fait un peu de refrain je crois.
On a la pierre, ce qui manquait, c'est la forme. On a déjà la caisse, cette fois-ci. Le rap est important, on est obligé de mettre de la lumière dessus. Bien pour la Guinée, sera tellement belle que personne ne voudra la quitter. J'ai le devoir de faire de ce pays un paradis, parce qu'à chaque génération, c'est responsabilité. Franchement, lourd. Musicalement, c'est ma cam, j'aime beaucoup, il y a une belle mélo. C'est ça reste en tête, tu vois. Le refrain, il est bon. Le visuel, toujours à la hauteur. Ah ouais, hey, je te jure, t'en prends plein les yeux. C'est une folie. La richesse de ce pays. Ses voix, voilà, tu vois, ses vêtements, ses tenues. C'est ouf, franchement, c'est une belle carte postale, tu vois, pour des gens comme moi qui connaissent pas forcément. Ah, je te jure, ça donne envie, hein. Attends, derrière, là, il y a le drapeau, mais en long, comme ça. Ça a été modifié ou bien c'est normal, ça? C'est hyper large et tout. C'est énorme. C'est magnifique. Ah, on l'entend bien chanter. Ah, les tenues traditionnelles. C'est l'instrument de musique de base, là. Ah ouais, franchement, hey, c'est limite émouvant, tu vois. Simon Dou 2040, un pont vers la prospérité. Tout est dit, tout est dit. Il faudrait que je regarde un peu, qu'est-ce que ça dit ça, Simon Dou 2040. C'est une vision, c'est ça? C'est attends, je vais taper ça sur Google, ça dit quoi? Le projet Simon sera le plus grand projet intégré d'extraction de minéral de fer jamais développé en Afrique avec le potentiel de transformer l'économie guinéenne. Ok, ah ouais, ça a l'air d'être assez ouf, hein. C'est limite une révolution en vrai, hein. Du rêve à la réalité tangible et irréversible. Ok, appelle les investisseurs indiens à participer à la réalisation de Simandou 2040. Ah ouais, d'accord, c'est un énorme truc, un énorme projet en fait, d'accord. Ok, en fait, ça peut être tellement énorme et en fait, c'est bien en fait. Bah, forcément, il fallait avoir quelque chose pour promouvoir le projet et mettre en lumière un peu ce pays. Et sa culture, sa couleur, ses visages, ses voix. Et c'est une très très bonne réalisation déjà de Steven Aoku. Et à la prod, Jay on the beat, il est partout celui-là. Ah là là, force à lui et force à Steven. Ils ont fait du très très gros travail. Et force à leur équipe parce que franchement c'était incroyable. Je trouve que franchement, c'est pas évident de passer derrière le premier acte parce que franchement ça avait envoyé de ouf. Et c'était vraiment. Il y avait des couleurs, des images, des trucs de ouf. Et musicalement, on était à la hauteur. Et. Là, on repart sur l'acte 2. C'est tout aussi incroyable. C'est vraiment beau. Ça continue pareil. Tu vois des belles couleurs. Tu vois un peu moins de paysages. Tu vois un peu plus les visages. Tu vois les couleurs, les tenues. Les artistes aussi qui participent. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir mis l'accent aussi sur ça. Mais en fait, je trouve qu'il y a un mélange de tout dedans. Il y a un mélange de tout. Je me demande comment ça va être l'acte 3. Parce que poto, il va falloir faire encore mieux que celui-là. Alors là, c'est énorme. Et le drapeau, là, je le vois derrière. Là. Je sais pas s'il a été fait à l'ordinateur ou bien il est posé simplement sur l'immeuble. Ou je sais pas c'est quoi exactement. Centre commercial ou je sais pas. C'est hyper. C'est magnifique. Et ouais, franchement, il y avait de tout dedans. On entendait un peu de reggae, un peu. Tu vois ce. Je te jure, il y avait de tout dedans. Et voilà, les voix féminines aussi, elles apportaient quelque chose d'assez assez ouf aussi parce que c'est de la musique vraiment bonne à écouter et c'est universel, tu vois ce que je veux dire. Donc très beau message, très beau, c'est un bel hommage, tu vois, tout simplement à la Guinée. C'est une belle, comment on dit ça, une belle carte postale, une belle lettre d'amour, voilà, une belle lettre d'amour pour la Guinée. Donc voilà, j'espère que les Guinéens et les Guinéennes seront fiers de ce visuel. Il y a du monde. Donc il y a qui? Alors il y a Amadou Sodia, Alifa,
Candia Cora, Abil Fatako, Third, AK47, Coury Simple, Antoine Flingo, Junior Barré, et ça s'appelle La Guinée Notre Paradis 2, hymne de la Renaissance. Et il y a une cover aussi. Est-ce que je peux avoir la cover? Non, 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 elle est en truc. Elle est jolie en plus la cover. En tout cas, ouais, c'est vraiment du très beau travail. Donc bravo aux équipes qui ont bossé dessus. Ça va faire plaisir à tous les Guinéens, Guinéennes forcément. Et ça va aussi aller au-delà forcément, parce que c'est vraiment international. Ce projet a l'air d'être incroyable, donc je sais pas si comment ça va se profiler tout ça, mais en tout cas c'est intéressant. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.